Le verbe faire. En français, le verbe faire, c'est-à-dire to do, to make ou to bake. Répétez avec moi les conjugaisons du verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, elles font. Très bien. Think for a minute what patterns you might recognize. I see a couple that we've already talked about several times. Par exemple, vous avez SST. Ça, c'est un motif pattern que nous avons vu déjà. Aussi, là, vous avez la terminaison ONS comme normal. Et aussi, vous avez font comme les autres verbes aller, faire et avoir. Dans la troisième personne plurielle, vous avez ont, sont, vont et maintenant font. Mais attention ici, ce n'est pas un Z comme normal, c'est un S. Et la prononciation, c'est vous faites, pas vous fêtez. Non, 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 vous faites. Nous avons déjà vu, already seen, déjà vu le verbe faire dans beaucoup de situations. Par exemple, en français, nous avons le temps. Et notre question quotidienne, quel temps fait-il? Il fait du soleil. Alors, ici, nous avons déjà vu le verbe faire en pratique. Mais attention, ce n'est pas toutes les expressions de temps qui utilisent le verbe faire. Par exemple, il pleut et il neige n'utilisent pas le verbe faire. Nous avons aussi le verbe faire pour les activités. Par exemple, Tex fait le ménage, he does the housework. Ou bien, Tex fait du ski. Regardez à la page 8 dans le paquet pour les autres expressions qui utilisent « faire ». En français, on utilise très souvent le verbe « faire ». Par exemple, la taille « height », on va dire « je fais 1,52 m ». Instead of « I am »,« je suis », on utilise « je fais »,« I make 1,52 m ». Aussi pour les autres expressions normales comme « je fais mes devoirs ». Regardez ça. Nous avons aussi le verbe faire en anglais. C'est bizarre. Par exemple, how did you fare on your test? Ever heard anybody say that? Well, that's because fare used to also be a verb that we would use in English. How about this? Fare thee well. Ever heard that expression? Hanging around from when French and English were more similar. Notice that we spell it without the I. But you could really impress your English teacher by using the verb faire in English. Mais attention à la question, par exemple, qu'est-ce que tu fais le week-end? Normalement, nous copions, we copy, le verbe dans la réponse qui est dans la question. Et de temps en temps, from time to time, nous faisons ça avec le verbe faire aussi. Par exemple, qu'est-ce que tu fais le week-end? What do you do on the weekends? Je fais mes devoirs. Ça, c'est une réponse possible. Mais aussi, il y a une réponse sans, without le verbe faire. Qu'est-ce que tu fais le week-end? J'étudie. Did I use the verb faire in my answer? No, it's not necessary. Just because I'm asking what do you do, does not mean you will also answer with the verb do. You could answer, j'étudie, I study, or something completely different. Je regarde un film avec mes amis. So just because we've got the verb faire in the question does not mean it needs to be in the answer, like in the example of j'étudie or je regarde un film avec mes amis. You can probably even think of some other answers that you might give that don't involve the verb faire. Merci les filles, c'est tout. Oh, Madeleine, such a nice guy.